Il est fantastique et intéressant seulement quand il est engagé, c'est-à-dire quand il exprime une révolte contre les conventions habituelles, contre la soi-disant réalité, les soi-disant lois de la nature. Et j'aime bien l'effet qu'on transgresse des règles. Voilà, c'est transgressif dans les fantastiques qui m'intéresse. Dans le cinéma de genre, les femmes ne sont souvent que des objets. Des victimes que l'on terrorise, humilie, maltraite. Souvent, pas toujours. Heureusement, elles prennent parfois leur revanche et peuvent, elles aussi, être effrayantes, voire féroces. Et fantastiques, évidemment, fantastiques. Merveilleuses ou terribles, les formes prises par ces vampes chimériques sont innombrables. Il n'est pas question ici d'en dresser la liste exhaustive. Dans ce panthéon, quelques figures fortes se distinguent particulièrement. Sur pellicule comme sur papier, des créatures archétypales hantent les contes fantastiques. I féerique. Curieusement, alors qu'on les trouve représentés ailleurs par myriades, le cinéma est assez peu tombé sous le charme des fées. Seuls, des cinéastes comme Méliès ou William Dieterlé ont su garder suffisamment de candeur pour succomber à leurs enchantements. Les sorcières ont beaucoup plus de chance. Apparemment. Libertaire, volontiers libertine, elles incarnent la révolte contre l'ordre et la morale. On appelle sorcières des femmes qui étaient accusées de l'être, pour différentes raisons, dont la principale était surtout la misogynie traditionnelle du catholicisme, puis du protestantisme de l'époque. Point d'orgue de leurs apparitions, le sabbat. La sorcière correspond à ce type de peur de l'inconnu toujours présent et qui se cache derrière un aspect de normalité. C'est ça la terreur de la sorcière. Et là-dessus vient évidemment se greffer une peur bien plus ancienne qui est celle des charmes, le mot charme étant, je vous le rappelle, un mot de sortilège à l'époque où la langue française s'est formée et qui devient maintenant simplement une impression agréable de l'aura que quelqu'un exerce sur un autre. Mais le mot « charme » était typiquement reconnu comme maléficieux et artificiellement sacrilège dans la tradition du fantastique anglo-saxon. Le mot « charme », c'était le chaudron qui bout, c'était le mauvais œil qui est jeté par quelqu'un, les signes mystérieux sur terre ou sur les troncs des arbres, etc. Et le mot « charme » s'applique, on ne peut mieux, dans son double sens, au prestige que peut avoir une femme sexy qui enchaîne par son charme,
le malheureux homme complètement dépouillé, désarmé, et qui est livré pieds et poings liés à un être qui apparaît comme plus faible que lui, et qui cependant est bien plus puissant, comme l'eau use le rocher. Quelques-unes ont marqué l'histoire du cinéma. C'est le cas de Veronica Lake dans Ma femme est une sorcière de René Clair. Oh, excuse me, I got my hat. How did that happen? It just slammed shut. Oh, I'm terribly sorry. There's rather a heavy draft blowing through the house today. Why shouldn't he? He's going to marry her in less than 2 hours. And as for you, young woman, oh, go to sleep. After all my work. No, I don't want to go. In 2 hours, that doesn't give me much time. I wish Father were here. What seems to be the trouble? Oh, good morning, Father. I need some advice. He's tougher than I thought. I can't seem to make him love me. Thou art the veriest bungler. I must have been drunk to give thee a body. Oh, don't smoke so much, Father. Did something go wrong with thy filter? My what? Thy love filter. Thou gavest him one, I presume. No, I thought I could do it barehanded. Art thou a witch or a woman? Prepare a love filter at once. Dost thou recall the incantation? Listen. Dans un genre fort différent, Barbara Steele est entrée dans la légende avec Le masque du démon de Mario Bava. Hélas, la torture et le bûcher sont fréquemment au bout du voyage. Dans Le bestiaire fantastique, la célébrité de Simone Simon en femme panthère dans La féline de Jacques Tourneur a quelque peu éclipsé celle de ses semblables. Peut-être injustement. Sans oublier Les femmes léopards, non moins enjôleuse et tout aussi féroce. Hormis la présence écailleuse et inquiétante de Jacqueline Pierce dans La femme reptile de John Gilling, les femmes serpents rampent surtout dans le cinéma populaire asiatique, par exemple en Indonésie et au Cambodge. Les merveilleuses fleurs animées de Granville ont malheureusement peu éclos au cinéma.
même au temps du flower power. Le nectar de ses fleurs a attiré quelques femmes papillons. Poétique chez Méliès, monstrueuse chez Vernon Sewell. Si les femmes guêpes échappent difficilement au ridicule, les veuves noires et autres arachnides ont un dangereux pouvoir de séduction. Le mot loup-garou ne se décline pas au féminin. Cela expliquerait-il la singulière rareté des dames lycanthropes ? Quand elles ne ressemblent pas à des vampires. Métaphoriques et peu fréquentes au temps du muet, les femmes vampires se glissent hors de leur crypte dès le début du parlant, dans le Dracula de Todd Browning. Certes, la notoriété de Dracula occulte fâcheusement la leur. Pourtant, elles ne sont ni moins nombreuses, ni moins sanguinaires, ni moins attirantes que les vampires mâles. Et les vampires représentent l'impossible, se situent à la pointe extrême du défendu. Je ne sais pas, Kierkegaard avait dit que la sexualité était inventée par la religion judéo-chrétienne qui permettait seulement à l'âme d'avoir une immortalité et en humiliant les corps. Et donc les corps revendiquaient ses droits. Et le vampirisme, ça pourrait être la même chose. C'est les corps qui revendiquent ses droits de vivre au-delà de la mort, et comme tout comme l'âme. Parties de Transylvanie, elles ont envahi les studios américains, anglais, italiens, espagnols. Allemands, mexicains, japonais. Et même français. Comment résister aux baisers carmin de leur bouche, aux crocs acérés?
femme vampire a une séduction particulière, mais on ne connaît pas vraiment des cas, des personnages amoureux de femmes vampires. La femme, c'est encore dans la mythologie, c'est encore une victime, toujours la femme, une victime consentante ou pas consentante. Le pieu qui les transperce a une évidente connotation érotique. C'est vraiment l'érotisme pur chez les vampires, tandis que dans les autres formes, les zombies et tout ça, c'est un peu différent. Ça rentre dans la démonologie, dans les dédoublements des personnalités. Il y a une problématique beaucoup plus complexe qui n'est pas celle du vampire, qui est quelque chose de très élémentaire finalement. On peut greffer au mythe du vampire beaucoup d'à côté, en effet, beaucoup de problématiques s'insèrent dans les mythes du vampire. Mais l'essentiel, c'est donc cette idée de prolonger la vie au-delà de la mort. Et en même temps, on appelle d'ailleurs l'érotisme, l'acte érotique, la petite mort. Prudente, certaines femmes vampires fréquentent essentiellement des créatures de leur sexe. La comtesse Bathory, qui sacrifiait au début du XVIIe siècle de jeunes vierges pour se baigner dans leur sang, est l'héroïne de plusieurs films. Son personnage a inspiré Bram Stoker pour le prologue de Dracula, dont Catherine Binet s'est elle-même librement inspirée pour les jeux de la comtesse Dollingen de Graz. C'est un film placé sous l'emprise des vampires, des personnages qui se confondent l'un l'autre pour former une entité. Et j'aime beaucoup le livre de Dracula, qui est un grand livre romantique et presque tendre d'ailleurs. Il y a un amour qui... La dévoration ressemble à un amour que Dracula éprouve pour les femmes qu'il vampirise. Et j'ai fait jouer le rôle de la comtesse par le rôle se dédouble. C'est à la fois la comtesse qui est dans le tombeau et qui ressuscite, et en même temps c'est la fille au père, avec un jeu de mots un peu sur le mot père, de la petite fille, la bonne de la petite fille qui lui raconte Dracula. Et la petite fille aussi dévore ce personnage qui est beau et sympathique. C'est le seul moment où la petite fille est heureuse. La plus emblématique des vampires lesbiennes est Carmilla, créée par l'écrivain irlandais Sheridan Le Fanu. C'est de son court roman, déjà porté à l'écran par Roger Vadim dans « Et mourir de plaisir », qu'est tirée une trilogie produite par la Hammer. Le premier de ces trois films, « The Vampire Lovers » de Roy Ward Baker, est de loin le plus réussi. Connu qu'une mode éphémère. Mmh.
chanter les vivants, les fantômes élégantes lui préfèrent de plus saillantes fanfreluches. Portrait de Jenny, de William Dieterle, Jennifer Jones, adorable spectre éprise d'un peintre et d'un chic très convenable. You, I want Jenny, not just dreams of you. Evan. Please believe me. The wave will strike again and soon. We can have a whole life band together. We have all eternity together, Evan. Can't you see? We were lonely, unloved. Time made an error. But you waited for me. And so we found our love. Now we must lose it? No, Evan, now we're just beginning. There is no life, my darling, until you've loved and been loved. And then there is no death. Les revenantes surgies de la tombe, le temps d'une vengeance, attachent beaucoup moins d'importance à leur look. Toujours aussi fascinante, Barbara Steele, le visage à demi caché par ses longs cheveux noirs, préfigure dans Les Amants d'Outre-Tombe les héroïnes des histoires de fantômes orientaux. Il y avait Barbara Steele, qui était une magnifique brune avec des yeux tellement grands qu'on se noyait dedans. Et Barbara Steele, elle faisait aussi peur qu'elle fascinait. Sa beauté et sa détermination étaient incroyables. C'était une femme qu'on voyait à la fois dans un tombeau et qu'on voyait aussi un pieu à la main elle-même. Zombies et mortes vivantes, elles, ont franchement tendance à se laisser aller. L'ange, personnage plutôt fade, n'intéresse guère scénaristes et réalisateurs. Sauf bien sûr quand il a le visage d'Audrey Hepburn. Comme toujours, le mal est plus excitant. Démon. Diablesse. Et autres bacchantes de l'enfer ont tous les atouts pour le démontrer.
simple mortel. Poupée du diable. Les possédés sont d'humeur nettement moins folichonne. Religieuses ou profanes, elles sont là pour en baver. Anciennes ont engendré une infinité de figures totémiques qu'on retrouve dans des chefs-d'œuvre comme dans des nanars. Des déesses, Shiva, Hera et Vénus qui a la beauté d'Ava Gardner dans le film de William Setter. Des gorgones. Dans la Gorgone, on a une très belle femme qui de jour est assistante d'un docteur et qui tout d'un coup la nuit se transforme en une créature aux cheveux verts. Et en réalité, ce sont des serpents qui lui sortent de la tête. Et quand on la voit, si on la regarde en face, on se transforme en pierre. Et cette gorgone, elle m'a fait rêver pendant des jours et des nuits. Je l'ai vue et pendant un mois, deux mois après, j'étais encore fascinée. Et je la voyais, j'avais l'impression qu'elle allait arriver dans le couloir quand je me levais la nuit ou quand je me levais le matin, elle était encore là. Des sirènes. Les eaux du kitsch ont évolué au fil des ans de l'ingénuité à la provocation. Aujourd'hui dans des courants plus gores, sous l'apparence de Lorelai assoiffée de sang. Des harpies. Et autres femmes oiseaux. Et des Amazones. Dans des péplums évoquant l'Antiquité grecque. On les retrouve dans la jungle où elles perpétuent leurs petites habitudes ancestrales, faire l'amour et la guerre.
On les reconnaît aussi à peine transposées, en chasseresse du futur. En vierges indiennes. Ou en sauvageonne chinoise. Ève, notre mère à tous, peut avoir aussi bien les rondeurs de Mamie Van Doren que la sécheresse d'Alice Sapritch. Dieu, au moins, contrairement au cinéaste, lui n'était absolument pas sexiste. Parce que quand même, la toute première créature, avant Ève, qui a été créée, c'était quand même Lilith. Et Lilith, c'était une très très vilaine dame, beaucoup plus vilaine qu'Ève. Et elle portait, chose absolument merveilleuse, son sexe au milieu du front. Personnifiée par Jean Seberg dans le film de Robert Rosen. Lilith y est l'allégorie de la féminité. Le cinéma X se chargera de lui rendre sa lubricité. Imaginé par l'écrivain Pierre Beaumont, Antinéa, reine de l'Atlantide, assassine ses amants pour les embaumer. Son but, l'immortalité, est le même que celui de sa rivale Ayesha, celle qui doit être obéie. Créée par le romancier anglais Rida Ragar. À part Catwoman, interprétée par Michelle Pfeiffer dans le second Batman de Tim Burton, les super-pouvoirs des super-nanas n'ont pas donné de super-films. Cousine de la jungle et Tarzan sont beaucoup plus amusantes dans leur naïveté. Colossale mutante contre femme miniaturisée,
la lutte peut sembler inégale. C'est pourtant la demoiselle minuscule qui gagne la partie, grâce au génie de Todd Browning dans Les Poupées du Diable. Toute velue qu'elle soit, Annie Girardot n'est simiesque que dans le titre original du mari de la femme à barbe, la donna scimmia, la femme singe. Les vrais guenons humanoïdes sont plutôt à chercher dans le futur. Ou sur une île perdue, d'où la ramèneront des explorateurs. Mais la plus surprenante des Vénus à fourrure est sans doute celle qu'incarne Aquanetta dans Captive Wild Woman d'Edward Dmytryk. C'est un authentique orang-outan transformé en femme par un médecin démon. Deux grandes figures archétypales se détachent de toutes les autres créatures artificielles. L'une est un robot de métal, dont l'armature est recouverte de chair synthétique, Brigitte Helm dans Metropolis de Fritz Lang. L'autre est un assemblage de morceaux de cadavres, Elsa Lanchester dans La fiancée de Frankenstein, de James Whale. Dans La fiancée de Frankenstein, Elsa Lanchester a une coiffure tout à fait intéressante. Elle est carrément une image pour les punks. Cette dernière a généré plusieurs épigones. Rien d'étonnant à cela, Frankenstein était lui-même la création romanesque d'une femme, Mary Shelley, l'héroïne de Gothic de Ken Russell. Totalement humaine,
La femme invisible doit son anomalie à une manipulation scientifique. Et dans Freaks, de Todd Browning, ce sont les monstres d'un cirque forain qui transforment une trapéziste en pitoyable geek, une femme poule. En fouillant dans la généalogie du docteur Caligari et du baron Frankenstein, le cinéma leur a découvert des parentes. Il arrive même au savant fou de se transformer en pin-up de rêve. Ou de cauchemar. D'ordinaire pourtant, l'agent féminine doit se contenter de servir de victime ou de cobaye à de très virils chirurgiens. Dans Les yeux sans visage de Georges Franju, Edith Scobb reçoit la peau de jeunes femmes assassinées, greffée par son père qui veut lui rendre sa beauté. Les yeux sans visage, ça a été tourné en 59, c'est sorti en 59. Et c'était la nouvelle vague, et la nouvelle vague a tout bouffé. Il y a eu vraiment la nouvelle vague, qui était un cinéma quand même beaucoup plus littéraire, beaucoup plus quand même un peu intellectuel, beaucoup plus élitaire, et Franju s'est voulu, dans Les yeux sans visage, enfin il revendiquait ce côté cinéma populaire, hein. Et puis, Franju était très influencé par Fritz Lang, par les Allemands, par les Feuillades, par cinéma muet, par plein de choses. Et ça lui appartient. Et c'est vrai que là, il n'y a pas eu de relève. Ça ne fait peut-être pas partie non plus complètement de l'imaginaire français, qui est beaucoup plus rationnel. En fait, Franju ne donnait pas d'explications, ne faisait pas beaucoup de références à d'autres films ou d'autres personnages. C'était vraiment toujours très concret ce qu'il voulait. C'était soigner exactement la façon dont je pouvais être habillée, dont je pouvais me tenir, ou tenir la rampe de l'escalier. Je crois qu'il s'est beaucoup servi de moi telle que j'étais. Et le personnage, comme c'est un personnage... qui est sans cesse masqué, en fait, son comportement ou ses mouvements ou une façon de se mouvoir ou de bouger ses bras, et tout ça, de bouger la tête, ça prenait beaucoup de sens, hein, mais c'était de par la façon dont j'étais habillée et masquée. Je pense que le fait d'avoir un masque sur le visage tout le temps, ça m'a énormément aidée. Et le fait d'être masquée, exclu par rapport aux autres, parce que quelqu'un qui est masqué, on ne fait plus attention à lui, enfin, on s'en occupe plus. Je ne pouvais plus être à la cantine avec les autres parce qu'il fallait que je mange avec une paille. Donc j'étais dans la vie comme était le personnage dans le film. Et j'étais toute mouflette, enfin toute jeune, et je crois que j'ai avalé ça et ça a vraiment fait partie du personnage. Enfin, je m'en suis servie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pouvais pas faire autrement. J'ai joué des rôles plus énigmatiques du personnage. On peut s'imaginer que ce sont des personnages plus négatifs et plus durs, mais la méchante. Non. J'ai beaucoup, par contre, travaillé dans la sainteté. J'étais la Vierge Marie dans le film de Buñuel, dans La Voie lactée. Reine de la planète Mars. Aelita est née dans les studios soviétiques.
Elle est l'aïeule d'une longue lignée d'habitantes de l'espace, plus ou moins croquignolettes. Aucune extraterrestre adulte n'est aussi inquiétante que la petite fille du village des damnés de Wolf Rilla. Le modèle même de la créature d'épouvante, celle qui en tout cas me fait le plus peur, c'est la petite fille. Parce que dans notre culture occidentale, la petite fille incarne tellement l'image de l'innocence, de la pureté, de... On en a fait un être totalement désincarné et d'une pureté totale. Et quand sous ce masque de l'innocence, tout à coup, enfin quand ce masque tombe et que tout à coup apparaît la petite fille démoniaque, la petite fille abominable, tueuse, perverse, perfide, là tout est possible. Quant à Abbott et Costello, ce sont évidemment de pulpeuses vénusiennes d'opérette qu'ils rencontrent dans Denis Gaucher Vénus de Charles Lamont. Captain Olivia, flying saucer patrol XR2 reporting. A rocket ship model RM has been sighted landing on our planet. All patrols have been alerted. It must have come from the Earth. We discarded that model 20 years ago. See that its occupants are captured and brought to me. Yes, Allura. Double the palace guard if our invaders should happen to be men. What does the man look like? It's been so long, I've forgotten. I haven't. Nor have I forgotten that my man was the lyingest, cheatingest, double-crossingest male that ever inhabited Venus. And so were all the rest of them. But that happened 400 years ago. They couldn't have changed. Rarement montrée sous l'apparence d'une femme, c'est elle, enfin, qui a toujours le dernier mot. La mort. Thank you.